tout le monde, bon retour ou bienvenue sur cette chaîne. Je tiens, on va faire une petite recette, des gourmettes, nous, ok, qui nous suit à faire un pile monde plaisir. Parce que un pile monde sous chaîne ça, mais l'envie. Ok, nous allons faire une marinade avec l'envie. Nous avons fait une marinade déjà, l'année passée, dans un mois d'août, ok, juillet ou bien août, l'année passée, nous allons faire une marinade avec l'envie. Okay. C'est chef Solano, qui était ancien chef hôtel Montjoli toute année 2019. Et Kounyala, qui est Santiago, mon restaurant Santiago dans Saint-Domingue. C'est lui qui est inspiré de cette ça. Donc, nous dédié de cette ça à chef Solano. Ok? Donc, je dis à nous faire une marinade avec l'ami. Alors, par contre, comment est chef Solano défait? Moi, je vais le faire à ma manière. Donc, chef Solano, Wadim, si. Petite place avec papa. Ok? Avant, nous allons regarder ensemble les ingrédients avec matériel qu'on a besoin pour nous faire marinade là. En nous saluer toute ma chaîne. Ok? Ma chaîne, c'est des monde qui a supporté la chaîne avec financièrement. Ok? Nous avons différents plans de support sur la chaîne. Nous avons diamants, nous avons saphir, nous avons or. Nous avons argent, nous avons super fan, et bien, nous avons choisi une place. Nous avons remercié tout le monde qui a renouvelé et plan. Nous avons salué Guy Bondé, ok? Nous avons salué, nous avons fait renouveler, nous avons oublié, nous avons fait la recette là. Ok, nous avons remercié tout le monde, ou même si ça est tantôt, si vous intéressez à supporter la chaîne. Pour faire ça, cliquez sur le bouton join qui est en bas vidéo ça ou bien n'importe vidéo qui est en bas qui est en chaîne là. Ok, mais si on a ici, on va pouvoir option ça puisque programme join là, programme membership là, pour qu'on disponible en Haïti. Ok, bon, on va faire ça par mon cash. Ok, si c'est en Haïti, vous pouvez voir le support là par mon cash là, 36 72 25 58. Okay? Mais soit à l'étranger tout, ou bien pour nous on peut l'autre ou pas voulez entrer dans le programme ça à travers YouTube, ou qu'à faire envoyer donation directement bah nous, non, par PayPal, non, gaspardorelien@gmail.com. Ok? Mais tout de suite, ensemble, ingrédients on a besoin pour faire marinade de bien. Mise en place a besoin pour nous faire marinade lambia. Nous pas faire en pile fois ça, on a utilisé seulement une tasse et demi farine, farine France, farine blanc. Là nous gagnons lambia qui tout préparé, qui cuit déjà. Bon alors, le monde qui gagne un petit problème à lambia, qui pour comprendre comment on peut nettoyer lambia, tremper les bicules comme ça, nous gagnons pour trois recettes. Sous chaîne ça qui montre ça et puis une recette spécialement qui montre comment on nettoyer l'ambille et puis tremper l'ambille à comprendre avec Zoan 6 citron Zoan 6 et puis comment pour mettre cuite tout d'abord sans sel. Ok, allez sous chaîne ça on rejoint recette là. On a besoin d'huile, on a besoin de moulin poivre noir, on a besoin de petit point coriandre ou bien persil si vous voulez. Soyez pour y en aucun utiliser persil. Là, nous gagnons environ 1 cuillère à soupe, beurre. Mais comme beurre a de longtemps là, du presque fond. Bon, là, presque un beurre fondu. On a besoin d'un cuillère d'oignon en poudre. Un cuillère d'ail en poudre. Un demi-petit cuillère bicarbonate.
yon ti pointe piment cayenne pou bal yon ti peps, pou bal yon ti piqué de piti. Yon ti pointe sel, an bezwen garlic chopera pou ka émincé feuille coriandre noir. Voilà, c'est tout ça on a besoin pour nous faire marinade lambia. Nous allons préparer l'ambia. Ok, l'ambia qui cuit déjà, bien sûr. C'est pas de préparation. Hein? Nous allons émincer l'ambio. Ok, chaque un petit morceau, que nous allons utiliser pour marinade. Ok, alors l'ambia ça fait presque 2 heures de temps, parce que je vais gagner 4 minutes, mais si je gagne 4 minutes, je vais prendre tout le temps ça, non, sous du feu à cuire. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ambia très tendre. Ok? Vraiment. Ouais, moi j'en ai facile de découper, c'est parce que je cuit en pile. Vraiment pour que les nappes mangent marinade là. On prend un bon goût lambia là-dedans. Ok. Bon, on finit avec Patissa. Maintenant, allons nous occuper de notre pâte. D'abord, on a ajouté l'autre élément par sèche la dedans. Là, nous gagnons un petit puits. Nous gagnons bicarbonate avec oignons, l'ail. Alors, ça, on a toujours ajouté notre épice là dedans. Que, comme j'aime toujours dire non, et puis ça, c'est une question de goût, on voit le résultat recherché ou bien de puis ou bien disponible. Nous ne voulons pas mettre le loup. Mais quoi, si vous voulez, zoyon avec l'ail pour la majorité à la, à aider à relever le goût. Ok? Mettez. Ah oui, les piments avec celle-là. Ok, la mienne, un petit point de piment cayenne, un petit point qui est. Et puis, avec celle. Ajoutez l'eau. Ajoutez le beurre. Ok. Maintenant, allons nous occuper de notre coriandre. Ok, après c'est la deuxième fois. On t'a dit déjà. Ok. Vous mettez le coriandre noir dans la farine noire. Poivre. Okay.
mes secrets pour que marinade noire vraiment gain goût dans bia. Pour que c'est pas juste là manger un petit morceau, rencontrer un petit morceau dans bia en de marinade là pour qu'on mange une marinade dans bia. Mais pour que tout ça dans bia justement, c'est jus qui était cuit dans bia. OK? Nous allons utiliser là OK pour faire marinade. Donc, ce qui est cuit en bia là, c'est nous la récupérer là. Okay? Donc, il y a la dedans tout ça avec en bia. En bia qui est trempé, etc. avec différentes épices, mais bien sûr sans sel. Ça à fond de bagage. Maintenant, nous allons mélanger. C'est tellement quantité liquide à n'y a pas compte. On va ajouter un petit de l'eau sur lui. Mais la fin de bois c'est l'avant. Pour nous voir qui texture, qui salbaille. Pour nous connaître qui quantité de l'eau qu'on a ajouté. Ok. Normalement, on a de mettre les oreilles sur la dedans, mais malheureusement, pas les oreilles sur. Donc, on se passera de l'orange amer. Nous prenons demi tasse d'eau. On met moitié dans demi tasse d'eau là. Maintenant, si on met des plus, on a ajouté plus tout à l'heure. Certainement, on a qu'à ajouter demi tasse d'eau et peut-être même plus. Liquide pâte pour marinade là, c'est pas un pâte qui poisse lié, faut liquide liquide. Maintenant, avant d'ajouter le reste de l'eau, ça en fait, on va ajouter l'ambino. Ok. Ok, ajouter le reste de l'eau noire. Puis, on continue à mélanger. Comme si nous voulons le sentir bon, sentant bien la montée dans l'aime là, ça va être extraordinaire. Ça va être que vous mettez de l'eau dans la bouche déjà. Ok, bon, c'est consistant ça. Bon, maintenant on goûte pour moi ça le bail. Ouais, qui est pongeant goulant bia. Des bons petits piqués là, des besoins. Bon bagaille. Ok, maintenant ça ne pas fait là. On va le recouvrir. Ok, maintenant là. Avec une serviette ou bien un liquide, un film alimentaire. Ok? Et puis, on va quitter le poser là. Pendant entre 15 à 30 minutes. Ok? On va bien démettre le bicarbonate là-dedans. Ok? Pour le bicarbonate là, il est temps de faire effet là-dedans. Ok? On va quitter le poser là
On dit 20 minutes. Ok. Un petit nettoyage et puis on va tout mettre à l'heure. Sous 20 minutes depuis la proposée là, maintenant nous mettons chaudière chaud, la mettez l'huile d'aronia. On peut tester maintenant qui niveau l'huile la chaud. Maintenant il fait chouette, c'est que l'huile a beaucoup chaud assez. La petite elle, chaud toujours. La fonte est-ce qu'on a bon à qui niveau de l'huile chaud. Bon petit bleu la donne. Ah, il est chaud. Ok, et bien on va préparer pour mettre la marinade là, la donne tout de suite. Exercice ça, comment on fait? C'est 3 cuillères. Et puis on cuit comme ça et puis ensuite on va laguer dans l'huile chaude. Alors on va utiliser une deuxième cuillère pour bien laguer. On a baissé du feu noir pour le faire sauter. Vérifier comment on est là, c'est pour une vidéo. On est là à suivre pour que bah, il n'a pas boulé là. De météo getan paré pour étirer. Ouais. Je vais regarder là. Même yo fin cuite. Ok. On va déposer une assiette qui gagne un papier absorbant sous dit. Ça au bon dos. On peut tirer tout ça crasé, C'est ça que vous achetez crasé, fritaille, crasé marinade. Donc crasé fritaille là, c'est tout bagaille qui est dans le bac là, dans le plateau fritaille là. Qui crase, une barinade, viande, etc. Ah, je devais faire ça deux fois déjà. J'ai oublié deux fois ça.
Donc, c'est extraordinaire. On a écrasé alors j'ai une belle bout de viande que je vais pas où tu t'as acheté pour yon 2-3 gouttes parce que mon sou vient à l'époque, enfin l'époque m'a pas l'air, c'est 50 cm, j'ai compris. M'a pas les bails, fin 80, début 90. On hein? Parti, mon deuxième tournée. Dernière. Et puis on a pour les baisser différemment encore. Et puis on attend. Bon, je suppose que vous avez compris le principe. Ok. Là, on a pour tirer sac bon yo là. C'est très simple. Ok? À tout à l'heure. C'est un bon bagage. Mais on a mélangé à l'ambi, on va pas me dire qui est bon, qui est. C'est très bon. Parce que l'ambi, déjà, de toute façon, c'est un fou de mer qui est très bon. En tout cas, le bon embouchement. Donc, l'en mélange là avec marinade, et qu'on dit que c'est un bon bagage. Pour moi, qui est communion pour ça, pour moi, qui est un petit fait, surprendre, invitez-nous avec marinade, avec l'ambi. Là, on fait goûter marinade, on dit qui ça met là-dedans. Et puis, on a dévoilé les secrets. On a voulu regarder la recette là sur la chaîne Gaspard Louis. C'est un bagage qui est très bon. Bon, pas mal de vos côtés bouteuses à passer. La prochaine fois, on a mal de les. Qui s'en a fait, mais qui s'en a gardé. Qui fait la même goûter. En tout cas, de toute façon, c'est pour moi qui est sucré là. Je vais battre un bois de cette. Pour vous, hein. Tu mets les dents. Ils sont bouclés. Pas bien. C'est très bon. Allez, c'est elle. La bonne nouvelle. Ok? Maintenant, notre ami qui renouvelle les memberships. Voilà là. Ah, c'est le dernier monde qui renouvelle les memberships. Après nous, vite même jeune là. Ok? Pour nous courir ça capte là. A bientôt!
Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon retour ou bienvenue sur cette chaîne. Je dis à, on va faire une petite recette de gourmet, non? Ok? Qui monsieur a fait un pile monde plaisir parce que un pile monde sous chaîne ça remet l'envie. Ok? Nous allons faire une marinade avec l'envie. Il était fait marinade déjà depuis l'année passée dans un mois d'août. Ok? Juillet ou bien août, l'année passée. Nous allons faire une marinade avec l'envie. Ok, c'est chef Solano qui c'était ancien chef hôtel Montjoli toute année 2019 là, et qu'on y a là qui Santiago, mon restaurant Santiago dans Saint-Domingue, c'est lui qui a inspiré recette ça. Donc dédié recette ça à chef Solano. Ok, donc je dis à nous allons faire une marinade avec l'ami. Alors par contre comment les chef Solano défait, moi je vais le faire à ma manière. Donc, chef Solano, Wadim, si, petit là, semble avec papa. Ok? Avant, nous allons regarder ensemble les ingrédients avec matériel qu'on a besoin pour nous faire marinade là. En nous, saluer toute même chaîne. Ok? Même chaîne là, c'est des monde qui a supporté chaîne là avec financièrement. Ok? Nous gagnons différents plans de support sur chaîne là. Nous gagnons diamants, nous gagnons saphir. Nous gagnons or, nous gagnons argent, nous gagnons super fan. Et bien, nous avons choisi un plan ça. Nous avons remercié tout le monde qui a renouvelé le plan. Nous avons salué Guy Bondé, ok? Nous avons salué, nous avons fait renouveler, nous avons nous avons dit la fin de recette là. Ok, la première tout le monde, ou même si ça est tantôt, mais si vous intéressez sur votre chaîne, vous pouvez faire ça, cliquez sur le bouton join qui est en bas, vidéo ça, ou bien n'importe vidéo qui est en bas, qui est dans la chaîne là. Ok, mais si on a ici, on va pouvoir option ça, puisque programme join là, programme membership là, pour est disponible en Haïti. Ok, moi, on peut faire ça par mon cash. Ok, si c'est en Haïti, vous pouvez faire ce support là par mon cash. Là. 36 72 25 58. Ok, mais soit à l'étranger tout ou bien pour une raison peu l'autre ou pas voulez entrer dans le programme ça à travers YouTube ou qu'à faire envoyer donation directement à nous non par PayPal non Gaspard Dorélien @gmail.com. ok, mais tout de suite ensemble ingrédients on a besoin pour faire marinade d'ambi. Mise en place ça besoin pour nous faire marinade lambia. Nous pas faire en pile fois ça, n'a utilisé seulement une tasse et demi farine France, farine blanc. Là nous gagnons lambi qui tout préparé, qui cuit déjà. Bon alors, monde qui gagne petit problème à lambi yo, qui pour comprendre comment on can nettoyer lambi, tremper les picutes comme ça, nous gagne n'importe 3 recettes. Sous chaîne ça qui montrait ça et puis une recette spécialement qui montrait comment nettoyer l'ambi et puis tremper l'ambi à comprendre avec Zoan 6 citron Zoan 6 et puis comment pour mettre cuite tout d'abord sans sel. Ok, allez sous chaîne ça rejoigne recette là. On a besoin d'huile, on a besoin de moulin poivre noir, on a besoin de petit point coriandre ou bien persil si vous voulez. Si vous voyez un peu, il y a un là, nous avons environ 1 cuillère à soupe, beurre. Mais comme beurre a de longtemps là, presque fond. Bon, là, presque un beurre fondu. On a besoin d'un cuillère d'oignon en poudre. Un cuillère d'ail en poudre. Un demi-petit cuillère
bicarbonate, yon ti pointe piment cayenne pou bal yon ti peps, pou bal yon ti pique de piti, yon ti pointe sel, a bezwen garlic chopera pou nou ka emese feuille coriandre noir. Voilà, c'est tout ça on a besoin pour nous faire marinade lambia. Préparer l'ambia, ok, l'ambia qui cuit déjà, bien sûr, les balles de préparation, hein? Nous allons émincer l'ambio, ok, chaque un petit morceau que nous allons utiliser pour marinade, ok. Alors l'ambia ça fait presque 2 heures de temps. Parce que je vais faire 4 minutes, mais si je vais 4 minutes, je vais prendre tout le temps ça. Non, sous du feu, à cuire. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ambia très tendre. Ok? Vraiment. Ouais, moi j'ai mis facile de découper, c'est parce que je cuit en pile. Vraiment pour que les nappes mangent marinade là. On prend un bon boulot bien là-dedans. Ok. Bon, on finit avec Patita. Maintenant, allons nous occuper de notre pâte. D'abord, on a ajouté l'autre élément par sèche la laine. Là, nous gagnons un petit puits. Nous gagnons un bicarbonate avec oignon, l'ail. Alors, ça, on a toujours ajouté notre épice là-dedans. Parce que, comme j'aime toujours dire, non, et puis ça, c'est une question de goût, en vrai, de résultats recherchés ou bien de épices ou bien disponibles. Nous ne voulons pas mettre le goût. Mais pour me signaler, les oignons avec l'ail pour la majorité à la, à aider à relever le goût. Ok. On va mettre. Ah oui, on va les piments avec celle-là. Ok, la mienne, un petit point de piment cayenne, un petit point de quillet. Et puis, avec celle. Ajouter l'eau. Ajouter le beurre. Ok. Maintenant, allons nous occuper de notre coriandre. Ok, la première, c'est la deuxième fois. Déjà. Ok. Vous mettez coriandre noir dans farine noire. Des poivres là.
Maintenant, mes secrets pour que marinade noire vraiment gain goût dans bia. Pour que c'est pas juste le manger un petit morceau, le rencontrer un petit morceau dans bia. En de marinade là, pour qu'on mange une marinade dans bia. Mais pour que tout ça ait dans bia, justement, c'est jus qui était cuit dans bia. Ok? Nous allons l'utiliser là, ok, pour faire marinade. Okay? Donc, ce qui était cuit dans bia là, c'est nous récupérer là. Okay? Donc, il y a là-dedans tout ça avec dans bia. Donc, ça qui était trempé, etc., avec différentes épices, mais bien sûr sans sel. Ça à fond de l'autre bagage. Maintenant, nous allons mélanger. C'est tellement quantité liquide, ça n'a pas compte. Nous allons ajouter un petit de l'eau sur lui. Mais la fin de bois, c'est l'avant. Pour nous, qui texture, qui ça le bail, pour nous connaître qui quantité de l'eau pour ajouter. Ok. Normalement, on a de mettre les oreilles sur la donne, mais malheureusement, on va les oreilles sur. Donc, on se passera de l'orange amer. Nous prenons demi-tasse d'eau. On met moitié dans demi-tasse d'eau là. Maintenant, si on met des plus, on a ajouté plus tout à l'heure. Certainement, on a qu'à ajouter les demi-tasse d'eau et peut-être même plus. Que liquide pâte pour marinade là, c'est pas un pâte qui poisse lié, faut liquide liquide. Maintenant, avant d'ajouter le reste de l'eau, ça fait, on va ajouter l'ambiance. Okay. Et ajouter le reste de noir, puis on continue à mélanger comme si nous voulons le sentir bon. Sentant bien la montée dans l'aime là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que vous mettez de l'eau dans la bouche déjà. Bon, c'est consistant ça. Bon, maintenant on goûte pour moi ça le bail. Ouais, qui est plongé en goulant bia. Des bons petits piquets à des besoins. Bon bagaille. Ok, maintenant ça n'est pas fait là. On va le recouvrir. Ok, maintenant là. Avec une serviette ou bien soufflez en liquide, en film alimentaire. Ok? Et puis, on va quitter l'eau posée là. Pendant entre 15 à 30 minutes. Ok? On va bien démettre le bicarbonate là-dedans. Ok? Pour le bicarbonate là, il est temps de faire effet là-dedans. Ok? On va quitter l'eau posée là
on dit 20 minutes. Ok? Un petit nettoyage et puis la plus nette à l'heure. Depuis la proposer là, maintenant nous mettons chaudière chaud, la mettez l'huile d'aronia. On peut tester à quel niveau l'huile la chaud. Maintenant, il fait chouette, fait que l'huile a beaucoup chaud assez. La petite elle, chaud toujours. La fonte est ce qu'on a bon, ouais, à quel niveau l'huile a chaud. Bon, on tire de la donne. Ah, il est chaud. Ok, et bien, finalement, on va préparer pour mettre la marinade là, la donne tout de suite. Exercice ça. Comment on fait? C'est pour une cuillère. Et puis on cuit comme ça et puis ensuite on va laguer dans l'huile chaude. Alors on va utiliser une deuxième cuillère pour bien laguer. Tout de suite, on a baissé du feu noir pour le bas sauter. Vérifier comment on est là, c'est pour une vidéo. On est là à suivre que il n'a pas boulé là. Des météo guettant paré pour étirer. Ouais. On a regardé là. Même yo fin cuite. Ok. On va déposer une assiette qui gagne un papier absorbant sous lit. Ça au bon dos. On va tirer tout ça crasé, crasé. Qu'est-ce que vous achetez crasé? Crasé fritaille, crasé marinade. Crasé fritaille là, c'est tout bagaille qui est dans le bac là, dans le plateau fritaille là. Qui crase, une barinade, viande, etc. Ah, ils ont fait ça deux fois déjà. Je vais oublier deux fois ça.
Donc, c'est extraordinaire. On a crasé alors une belle bout de viande que je vais pas où tu as pas acheté pour 2-3 gouttes. Parce que mon sou vient à l'époque, enfin, l'époque m'a pas l'air, c'est 50 centimes, 50 gouttes. On a pas les bails, 5,80, début 90. On est parti, mon deuxième tournée. Et puis n'a pour rébé, c'est différent encore. Et puis n'a pas. Bon, je suppose que vous avez compris le principe. Ok. Là, on a retiré sac bon là. C'est très simple. Ok? À tout à l'heure. C'est yon bon bagage. Mais on a mélangé à l'ambi, on va se dire qui bon li gagne. C'est très bon. Parce que l'ambi, déjà, de toute façon, c'est un fruit de mer qui est très bon. En tout cas, le bon embouchement. Donc, l'en mélange avec marinade, ça, et qu'on dit les sommets merveilleux. Pour mon qui est communion pour cette année là, pour mon qui est fait, on va le faire. Supreme, invitez-nous avec marinade, avec l'ambi. Là, on fait goûter marinade, peut-être qui ça met là-dedans. Et puis, on a dévoilé les secrets. On a voulu regarder les recettes là, sous chaîne Gaspar Louis. C'est un bagage qui est très bon. Bon, pas mal de vos côtés bouteuses à passer. Prochaine fois, on a mal de modèles. Il y a qui sont d'affaires, mais qui sont d'affaires. Qui fait le bagage de goûter. En tout cas, de toute façon, c'est pour moi qui est sucré là. Je vais battre un bois dans cette. Vous êtes toujours goûter déjà. Pour vous. Hein? Tu mets les dents. Ils sont bouts de l'ambi. Pas bien. C'est très bon. Allez, c'est elle. La bonne nouvelle. Ok? Maintenant, notre ami qui veut nous les membership. Alors là, c'est le dernier monde qui veut nous les membership. Peut-être nous. Vite même jeune là. Ok? Pour nous courir ça qu'a fait là. A bientôt. Bon, ça va.
Alors tout le monde, bon retour ou bienvenue sur cette chaîne. Je dis à on va faire une petite recette de gourmette, non? Ok? Qui nous suit à faire un pile monde plaisir. Parce que un pile monde sous chaîne ça remet l'envie. Ok? Nous allons faire une marinade avec l'envie. Nous avons fait une marinade déjà depuis l'année passée dans un mois d'août. Ok? Juillet ou bien août, l'année passée. Nous allons faire une marinade avec l'envie. Okay. C'est chef Solano qui était ancien chef hôtel Montjoli toute année 2019 là, et Kounia là qui Santiago, mon restaurant Santiago dans Saint-Domingue, c'est lui qui a inspiré recette ça. Donc dédié recette ça à chef Solano. OK? Donc je dis à nous faire une marinade avec l'ami. Alors par contre comment est chef Solano te fait? Moi je vais le faire à ma manière. Donc chef Solano, on va dire si petit plat semble avec papa. OK? Avant nous allons regarder ensemble ingrédients avec matériel la besoin pour nous faire marinade là. En nous saluer toute membre chaîne. OK? Membre chaîne c'est des monde qui a supporté chaîne avec financièrement. OK? Nous gagnons différents plans de support sur chaîne, nous gagnons diamants, nous gagnons saphir, nous gagnons or, nous gagnons argent, nous gagnons super fan. Et bien, nous avons choisi un plan ça. Nous remercions tout le monde qui a renouvelé le plan. Nous avons salué Guy Bondé, ok? Nous avons salué, nous avons fait renouveler, nous avons oublié nous, nous avons fait la recette là. Ok, la première c'est tout le monde, ou même si ça est tantôt, si vous intéressez à supporter la chaîne, pour faire ça, vous cliquez sur le bouton join qui est en bas, vidéo ça, ou bien n'importe vidéo qui est en bas, qui est dans la chaîne. Ok, mais si on a ici, on va pouvoir option ça, puisque le programme join là, le programme membership là, pour qu'on soit disponible en Haïti. Ok, bon, on va faire ça par mon cash. Ok, si c'est en Haïti, oui. Vous pouvez voir le support là par mon cash dans 36 72 25 58. Ok? Mais soit à l'étranger tout, ou bien pour deux ou pour l'autre, ou pas, vous voulez entrer dans le programme ça à travers YouTube, vous pouvez faire envoyer une donation directement par nous, par PayPal, dans gaspardorelien@gmail.com. Ok? Mais tout de suite, ensemble, ingrédients, on a besoin pour faire marinade de bien. Mise en place a besoin pour nous faire marinade lambia. Nous pas faire un pile fois ça, on a utilisé seulement une tasse et demi farine, farine France, farine blanc. Là nous gagnons lambi qui tout préparé, qui cuit déjà. Bon alors, monde qui gagne un petit problème à lambi yo, qui pour qu'on comment on can nettoyer lambi, tremper les picutes comme ça, nous gagnons pas trois recettes. Sous chaîne ça qui montre ça et puis une recette spécialement qui montre comment on nettoyer l'ambi et puis tremper l'ambi à comprendre avec Zoan 6 citronon Zoan 6 et puis comment pour mettre le cuite tout d'abord sans sel. Ok, allez sous chaîne ça rejoindre recette là. On a besoin d'huile, on a besoin de moulin poivre noir, on a besoin de petit point coriandre ou bien persil si vous voulez. Soit un coriandre qu'on a utilisé persil. Là, nous gagnons environ 1 cuillère à soupe, beurre, mais comme beurre a dehors longtemps là, presque fond. Bon, là, presque un beurre fondu. On a besoin d'un cuillère d'oignon en poudre, d'un cuillère d'ail en poudre, d'un demi-petit cuillère bicarbonate,
yon ti pointe piment cayenne pou ba lonti peps pou ba lonti piqué petit on ti pointe sel a besoin garlic chopper pou ka émincé feuille coriandre noir. Voilà, c'est tout ça on a besoin pour nous faire marinade lambia. Préparer l'ambia, ok, l'ambia qui cuit déjà bien sûr, c'est pas de préparation, hein? Donc on va émincer l'ambio, ok, chaque un petit morceau, que nous allons utiliser pour marinade, ok. Alors l'ambia ça fait presque 2 heures de temps. Parce que je vais gagner 4 minutes, mais si je gagne 4 minutes, je vais prendre tout le temps ça. Non, sous du feu, à cuire. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ambia très tendre. Ok? Vraiment. Ouais, moi j'ai mis facile de découper, c'est parce que je cuite en pile. Vraiment pour que les nappes mangent marinade là. On prend un bon boulot bien là-dedans. Ok. Bon, on finit avec Patissa. Maintenant, allons nous occuper de notre pâte. D'abord, on va ajouter l'autre élément par sèche la laine. Là, nous gagnons un fond de puits. Nous gagnons un bicarbonate avec les oignons, l'ail. Alors, ça, on va toujours ajouter notre épice la laine. Parce que j'aime toujours dire non, et puis ça, c'est une question de goût, on voit le résultat recherché ou bien de l'épice ou bien disponible. Nous voulons pas mettre le loup. Mais pour me signaler, les oignons avec l'ail pour la majorité à aider à relever le goût. Ok? On va mettre. Ah oui, on va mettre les piments avec celle-là. Ok, la mienne, un petit point de piment cayenne, un petit point de quillet. Et puis, avec celle. On va ajouter l'eau. On va ajouter le beurre. Ok. Maintenant, allons nous occuper de notre coriandre. Ok, la première, c'est la deuxième fois. On t'a dit déjà. Ok. Vous mettez coriandre noir dans farine noire. Les poivres là. Voilà.
secret pour que marinade noire vraiment gain goût dans bia. Pour que c'est pas juste l'on mange un petit morceau, on contre un petit morceau dans bia en de marinade là pour qu'on on mange une marinade dans bia. Mais pour qu'il y ait toute saveur dans bia, justement, c'est jus qui était cuit dans bia. OK? Nous allons l'utiliser là, ok, pour faire marinade. Okay? Donc, tout ce qui est cuit en bia là, c'est mieux récupérer là. Okay? Donc, il y a la dedans toute saveur en bia. En plus, ça qui est trempé, etc., avec différents épices, mais bien sûr, sans sel. À fond de bagage. Maintenant, nous allons mélanger. C'est tellement quantité de liquide à gagner là. Par contre, on va ajouter un petit de l'eau solide. Mais la fin de bois, c'est l'avant. Pour nous, qui texture, qui salbaille, pour nous connaître qui quantité de l'eau qu'on a ajouté. Ok. Normalement, on a de mettre les oreilles sur la dedans, mais malheureusement, on n'a pas les oreilles sur. Donc, on se passera de l'orange amère. Nous prenons demi-tasse de l'eau. On met moitié dans demi-tasse de l'eau là. Maintenant, si on demande plus, on a ajouté plus tout à l'heure. Certainement, on n'a pas ajouté le demi-tasse de l'eau et peut-être même plus. Que liquide pâte pour marinade là, c'est pas une pâte qui poisse lié, faut liquide liquide. Maintenant, avant d'ajouter le reste de l'eau, ça fait, on va ajouter l'ambiment. Okay. Ok, ajouter le reste de l'eau noire. Puis, on continue à mélanger. Comme si nous voulons sentir bon, sentant bien la montée dans l'aime là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'il vous mettez de l'eau dans la bouche déjà. Bon, c'est consistant ça. Bon, maintenant on goûte pour nous, ça le va. Ouais, qui plonge en goulant bia. Il y a un petit piqué à des besoins. Bon bagaille. Ok, maintenant ça ne pas fait là. On va le recouvrir. Ok, maintenant là. Avec une serviette ou bien souffler en liquide, en film alimentaire. Ok? Et puis, on va quitter l'eau posée là. Pendant entre 15 à 30 minutes. Ok? On va bien démettre le bicarbonate là-dedans. Ok? Pour le bicarbonate là, il est temps de faire effet là-dedans. Ok? On va quitter l'eau posée là, entre 10 et 20 minutes.
Oui. Un petit nettoyage et puis la plus nette à l'heure. Sous 20 minutes depuis la proposée là, maintenant nous mettons un chaudier chaud, la mettez l'huile d'avonia. On peut tester maintenant qui niveau l'huile la chaud. Maintenant, il fait chouette, c'est que l'huile a beaucoup chaud assez. La petite aile, chaud toujours. La fonte est ce qu'on a bon, ouais, à qui niveau l'huile a chaud. Bon, on tire de la donne. Ah, il est chaud. Ok, et bien, vous allez me préparer pour mettre la marinade là, la donne tout de suite. Exercice ça, comment on fait? C'est trop cuillère. Et puis on cuit comme ça et puis ensuite on va laguer dans l'huile chaude. Alors on va utiliser une deuxième cuillère pour bien laguer. Tout de suite, on a baissé du feu noir pour le bain sauter. Vérifier comment vous êtes là, c'est pour une vidéo. On est là à suivre pour que bah, il n'y a pas de boulet dans les. Mais ça ne démette pas, il est paré pour étirer. Ouais. Je vais regarder là. Même, il est fin cuit. Ok. On va déposer une assiette qui gagne un papier absorbant sous lit. Ça au bon dos. On peut tirer tout ça crasé, crasé. Qu'est-ce que vous achetez crasé? Crasé fritaille, crasé marinade. Crasé fritaille là, c'est tout bagaille qui est dans le bac là, dans le plateau fritaille là. Qui crase, une barinade, viande, etc. Aïe, vous avez fait ça deux fois déjà. Je vais jamblier deux fois ça.
donc extraordinaire. On a crasé alors une belle bout de viande que je vais pas où tu t'as pas acheté pour yon 2-3 gouttes parce que mon souvient à l'époque, enfin l'époque m'a pas allé à c'est 50 centimes de grande grande. On va pas les bailler 5,80 début 90. Hein. C'est parti, mon deuxième tournée. Et bien pour les bébés, c'est différent encore. Et bien attendre. Bon, je suppose que vous avez compris le principe. Ok. Là, on a retiré sac bon là. Beaucoup fin bon. Et voilà, comme vous pouvez le constater, c'est très simple. Ok, à tout à l'heure. Yon bon bagaille. Mais on a mélangé à l'ambi, on va me sentir qui bon li gagne. C'est très bon. Parce que l'ambi, déjà, de toute façon, c'est mon fruit de mer qui est très bon. En tout cas, le bon en bouche. Donc, l'en mélange là avec marinade, ça, et quoi, on dit, les sons bien. Pour mon qui est communion pour ça, on est là. Pour mon qui est fait, on va le faire, yo. Suprême, invitez-nous, yo, avec marinade, avec l'ambi, ça. Le fin de goûter marinade, peut-être qui ça met là-dedans. Et puis, on a dévoilé le secret. On a voulu regarder les recettes là. Sous chaîne Gaspard Dorien. C'est un bagage qui est très bon. Bon, pas moi de mon côté bouteuse à passer. Prochaine fois, je vais vous donner un modèle qui s'en a fait, mais qui s'en a gardé. Je vais pas venir goûter. En tout cas, de toute façon, c'est mon bagage qui est sucré là. Je vais battre un bois à me danser. De toute façon, vous êtes là. Pour vous, hein. Vous mettez les dents, son bout de l'ambi. Pas bien, c'est très bon. Allez, c'est elle, la bonne nouvelle. Ok? Maintenant, notre ami qui veut ouvrir les membership. Alors là, ah, c'est le dernier monde qui veut ouvrir les membership. Après nous, vite, maman, je suis là. Ok? Pour nous courir ça qu'on fait là. À bientôt.
tout le monde, bon retour ou bienvenue sur cette chaîne. Je dis, on va faire une petite recette, des gommettes, non? Ok? Qui monsieur a fait un pile monde plaisir. Parce que un pile monde sous chaîne, ça remet l'envie. Ok? Nous allons faire une marinade avec l'envie. Nous avons fait une marinade déjà, depuis l'année passée, dans un mois d'août, ok? Juillet ou bien août, l'année passée, nous allons faire une marinade avec l'envie. Ok, c'est chef Solano qui c'était ancien chef hôtel Montjoli toute année 2019 là, mais qu'on y a là qui Santiago, mon restaurant Santiago dans Saint-Domingue, c'est lui qui a inspiré recette ça. Donc dédié recette ça à chef Solano. Ok, donc je dis à nous faire une marinade avec l'ami. Alors par contre comment est chef Solano défait? Moi je vais le faire à ma manière. Donc chef Solano, on va dire si petite place avec papa. Ok? Avant, nous allons regarder ensemble les ingrédients avec matériel qu'on a besoin pour nous faire marinade là. En nous saluer toute même chaîne. Ok? Même chaîne là, c'est des monde qui a supporté chaîne là avec financièrement. Ok? Nous gagnons différents plans de support sur chaîne là. Nous gagnons diamant, nous gagnons saphir, nous gagnons or, nous gagnons argent, nous gagnons super fan. Et bien, nous avons là. Yo, t'es choisi yon dans plan ça. On a remercié tout le monde qui renouvelé et plan yo. On a salué Libondé, ok? On a salué mon autre fête renouvelée, m'oublie non? M'abdil la fin recette là. Ok, on a remercié tout le monde. Ou même si ça est tantôt, mais si vous intéressez à supporter la chaîne là, vous pouvez faire ça. Cliquez sur le bouton join qui est en bas, vidéo ça, ou bien n'importe vidéo qui est en bas, qui est dans la chaîne là. Ok, mais si on a ici, on va pouvoir option ça puisque programme join là, programme membership là, pour qu'on disponible en Haïti. Ok, bon, on a fait ça par mon cash. Ok, si c'est en Haïti, oui, on a voyé support là par mon cash là, 36 72 25 58. Ok, mais soit à l'étranger tout, ou bien pour nous, on peut l'autre ou pas, vous entrer dans le programme ça à travers YouTube, ou qu'à faire envoyer donation directement là, non, non, par PayPal. gaspardorelien@gmail.com. Ok, mais tout de suite ensemble ingrédients on a besoin pour faire marinade de bien. Mise en place a besoin pour nous faire marinade lambia. Nous pas faire en pile fois ça, on a utilisé seulement une tasse et demi farine, farine France, farine blanc. Là nous gagnons lambia qui tout préparé, qui cuit déjà. Bon alors, au monde qui gagne petit problème à lambia, qui pour comprendre comment on can nettoyer lambia, tremper les picutes comme ça, nous gagnons pour trois recettes. Sous chaîne ça qui montre ça et puis une recette spécialement qui montre comment on nettoyer l'ambi et puis tremper l'ambi à comprendre avec Zoran 6 citron non Zoran 6 et puis comment pour mettre le cuite tout d'abord sans sel. Ok, allez sous chaîne ça on rejoint recette là. On a besoin d'huile, on a besoin de moulin poivre noir, on a besoin de petit point coriandre ou bien persil si vous voulez. Soit un coriandre, on va utiliser persil. Là, nous avons environ 1 cuillère à soupe, beurre. Mais comme beurre a dehors longtemps là, il presque fond. Bon, là, presque un beurre fondu. On a besoin d'un cuillère d'oignon en poudre, d'un cuillère d'ail en poudre, d'un demi-petit cuillère bicarbonate,
yon ti pointe piment cayenne pour balon ti peps pour balon ti piqué de petit on ti pointe sel un besoin garlic chopper pour ka émincé feuille coriandre noir. Voilà, c'est tout ça on a besoin pour nous faire marinade lambia. Préparer l'ambia, ok, l'ambia qui cuit déjà, bien sûr, les balles de préparation, hein? Donc on va émincer l'ambio, ok, chaque un petit morceau, que nous allons utiliser pour marinade, ok. Alors l'ambia ça hein? Fait presque 2 heures de temps. Parce que je vais gagner 4 minutes, mais si je gagne 4 minutes, je vais prendre tout le temps ça. Non, sous du feu, à cuire. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ambia très tendre. Ok? Vraiment. Ouais, moi j'ai mis facile de découper, c'est parce que je cuit en pile. Vraiment pour que les nappes mangent ma nappe là. On prend un bon boulot bien là-dedans. Ok. Bon, on finit avec Patifa. Maintenant, allons nous occuper de notre pâte. D'abord, on va ajouter l'autre élément pareil sèche sur la dedans. Là, nous gagnons un fond de puits. Nous gagnons un bicarbonate avec des oignons, l'ail. Alors, ça, on va toujours ajouter notre épice là-dedans. Que, comme j'aime toujours dire, non, et puis ça, c'est une question de goût, on voit le résultat recherché ou bien de l'épice ou bien disponible. Nous ne voulons pas mettre le goût. Mais quoi, si vous voulez, les oignons avec l'ail pour la majorité à la, à aider à relever le goût. Ok? On va mettre. Ah oui, on va piment avec celle-là. Ok, là il y a un petit point de piment cayenne, un petit point qui est. Et puis, avec celle. On va ajouter l'eau. On va ajouter le beurre. Ok. Maintenant, allons nous occuper de notre coriandre. Ok, la première c'est la deuxième fois. Vous entendez déjà? Ok. Vous mettez le coriandre noir dans la farine noire. Poivre
Maintenant, mes secrets pour que marinade moi vraiment bien goût dans bia. Pour que c'est pas juste le manger un petit morceau, le rencontrer un petit morceau dans bia. En de marinade là, pour qu'on mange une marinade dans bia. Mais pour que tout ça avec dans bia, justement, c'est jus qui était cuit dans bia. Ok? Nous allons l'utiliser là, ok, pour faire marinade. Okay? Donc, ce qui est cuit dans bia là, c'est nous récupérer là. Okay? Donc, il y a la dedans tout ça avec dans bia. En plus, ça qui est trempé, etc., avec différentes épices, mais bien sûr, sans sel. Ça à fond de bagage. Maintenant, nous allons mélanger. C'est tellement quantité liquide à nous là. Par contre, on va ajouter un petit de l'eau sur lui. Mais la fin bois c'est l'avant. Pour nous voir qui texture, qui salbaille, pour nous connaître qui quantité de l'eau on a ajouté. Ok. Normalement, on a de mettre les oreilles sur là-dedans. Mais malheureusement, on n'a pas les oreilles sur. Donc, on se passera de l'orange amer. Nous prenons demi-tasse d'eau. On met moitié dans demi-tasse d'eau là. Maintenant, si on met des plus, on a ajouté plus tout à l'heure. Certainement, on n'a qu'à ajouter demi-tasse d'eau et peut-être même plus. Que le pâte pour marinade là, c'est pas un pâte qui poisse lié, faut liquide liquide. Maintenant, avant d'ajouter le reste de l'eau, ça fait, on va ajouter l'ambino. Okay. Ok, ajouter le reste de l'eau noire. Puis, on continue à mélanger. Comme si nous voulons le sentir bon, sentant bien la montée dans l'aime là, ça va être extraordinaire. Ça va être que vous mettez de l'eau dans la bouche déjà. Ok, bon, c'est consistant ça. Bon, maintenant on goûte pour nous, ça le bail. Ouais, qui est plongeant goulant bia. Il bon petit piqué à des besoins. Bon bagay. Ok, maintenant ça ne pas fait là. On va le recouvrir. Ok, maintenant là. Avec une serviette ou bien un liquide, un film alimentaire. Ok? Et puis, on va quitter le poser là. Pendant entre 15 à 30 minutes. Ok? On va bien démettre le bicarbonate là-dedans. Ok? Pour le bicarbonate là, il est temps de faire effet là-dedans. Ok? On va quitter le poser là
on dit 20 minutes. Ok? Un petit nettoyage et puis la plus nette à l'heure. Sous 20 minutes depuis la proposée là, maintenant nous mettons chaudière chaud, la mettez l'huile d'avonia. On peut tester maintenant qui niveau l'huile la chaud. Maintenant il fait chouet, c'est que l'huile a beaucoup chaud assez. La petite elle, chaud toujours. La fond test qu'on a bon, ouais, à quel niveau l'huile a chaud. Bon petit bleu la donne. Ah, il est chaud. Ok, et bien on va préparer pour mettre la marinade là, la donne tout de suite. Exercice ça, comment on fait? C'est pour une cuillère. Et puis on cuit comme ça et puis ensuite on va laguer dans l'huile chaude. Alors on va utiliser une deuxième cuillère pour bien laguer. Tout de suite, on a baissé du feu noir pour le bas sauter. Vérifier comment on est là, c'est pour une vidéo. On est là à suivre que il n'a pas boulé dans les. Mais ça ne démette pas, il est en paré pour étirer. Ouais. On va regarder là. Même, il est fin cuit. Ok. On va déposer une assiette qui gagne un papier absorbant sous l'huile. Ça au bon dos. On peut tirer tout ça crasé, Qu'est-ce que vous achetez crasé? Crasé fritaille, crasé marinade. Crasé fritaille là, c'est tout bagaille qui est dans le bac là, dans le plateau fritaille là. Qui crase, une barinade, viande, etc. Ah, ils ont fait ça deux fois déjà. J'ai oublié deux fois ça.
Donc, c'est extraordinaire. On a crasé alors j'ai une belle bout de viande que je vais pas où tu t'as pas acheté. Pour yon 2-3 gouttes parce que mon souvient à l'époque, enfin l'époque m'a pas l'air, c'est 50 centimes, j'ai compris. M'a pas les bails, 5,80, début 90. C'est hein? Parti, mon deuxième tournée. Dernière. Et puis on a pour les baisser différemment encore. Et puis on attend. Bon, je suppose que vous avez compris le principe. Ok. Là, on a retiré sac bon yo là. Beaucoup fin bon. Ben voilà, comme vous pouvez le constater, c'est très simple. Ok, à tout à l'heure. C'est un bon bagage. Mais on a mélangé à l'ambi, on va pas me dire qui est bon, c'est très bon. Parce que l'ambi, déjà, de toute façon, c'est un fruit de mer qui est très bon. En tout cas, le bon en bouche. Donc, l'en mélange là avec marinade, et qu'on dit les sommes merveilleux. Pour moi, il y a une communion pour ça, là. Pour moi, il y a une petite fête, on va le faire. Surprendre, invitez-nous avec marinade, avec l'ambi. Là, on fait goûter marinade, on va dire qui ça met là-dedans. Et puis, on a dévoilé les secrets. On a voulu regarder les recettes là, sous chaîne Gaspard de Rémien. C'est un bagage qui est très bon. Bon, pas mal de vos côtés goûteuses à passer. Prochaine fois, on a des modèles. Il y a qui s'en a fait, mais qui s'en a gardé. Qui fait pas venir goûter. En tout cas, de toute façon, c'est pour moi qui est sucré là. Je vais battre un bois à me danser. De toute façon, vous êtes là. Pour vous. Hein? Tu mets les dents. Ils sont bout de l'ambi. Pas bien. C'est très bon. Allez, c'est elle, la bonne nouvelle. Ok? Maintenant, notre ami qui renouvelle les memberships. Alors là, c'est le dernier Mounzao qui renouvelle les memberships. Rappelez-nous. Vite même jeune là, ok? Pour nous courir ça qu'après là. A bientôt! Au revoir!
Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon retour ou bienvenue sur cette chaîne. Je dis à, on va faire une petite recette de vous maintenant, ok? Qui me suis à faire un peu de plaisir parce que un peu de monde sous chaîne ça remet l'envie, ok? Nous allons faire une marinade avec l'envie. Nous avons fait une marinade déjà depuis l'année passée dans un mois d'août, ok? Juillet ou bien août, l'année passée. Nous allons faire une marinade avec l'envie, ok? C'est chef Solano, qui c'était ancien chef hôtel Montjoli toute année 2019 là, et qu'on y a là, qui Santiago, mon restaurant Santiago dans Saint-Domingue, c'est lui qui a inspiré recette ça. Donc dédié recette ça à chef Solano. Ok, donc je dis à nous allons faire une marinade avec l'ami. Alors par contre, comment les chef Solano te fait? Moi je vais le faire à ma manière. Donc chef Solano, Wadim si petit là semble avec papa. Ok. Avant, nous allons regarder ensemble les ingrédients avec matériel qu'on a besoin pour nous faire marinade là. En nous saluer toute ma chaîne. Ok? Ma chaîne là, c'est des monde qui a supporté la chaîne là avec financièrement. Ok? Nous avons différents plans de support sur la chaîne là. Nous avons diamants, nous avons saphir, nous avons or, nous avons argent, nous avons super fan. Et bien, nous avons là, nous avons choisi une. Dans plan ça, on a remercié tout le monde qui renouvelé et plan yo, n'a pas salué Libondé, OK? N'a pas salué mon autre monde fait renouveler, oublier non, m'a dit la fin recette là. OK, n'a pas remercié tout le monde ça, ou même si ça est tantôt mais si vous intéressé supporter chaîne là, vous pouvez faire ça, cliquez sur le bouton join qui en bas vidéo ça ou bien n'importe vidéo qui en bas qui dans chaîne là. OK? Mais si on a Haïti, on va pouvoir option ça puisque programme join là, programme membership là, pour disponible en Haïti. OK, bon, on a fait ça par mon cash. OK, si c'est en Haïti, on va voir le support là par mon cash là, 36 72 25 58. OK, mais soit à l'étranger tout ou bien pour nous on peut l'autre ou pas voulez entrer dans le programme ça à travers YouTube, ou qu'à faire envoyer donation directement à nous non, par PayPal. Gaspard Dorélien @gmail.com. Ok, mais tout de suite ensemble ingrédients on a besoin pour faire marinade d'ambi. Mise en place n'a besoin pour nous faire marinade lambia. Nous pas faire en pile fois ça, n'a utilisé seulement une tasse et demi farine France, farine blanc. Là nous gagnons lambi qui tout préparé, qui cuit déjà. Bon alors, monde qui gagne un petit problème à lambi yo, qui pour comprendre comment on can nettoyer lambi, tremper les picutes comme ça, nous gagne n'importe 3 recettes. Sous chaîne ça qui montre ça et puis une recette spécialement qui montre comment nettoyer l'ambi et puis tremper l'ambi à comprendre avec Zoran 6 citronon Zoran 6 et puis comment pour mettre cuite tout d'abord sans sel. Ok, allez sous chaîne ça rejoigne recette là. On a besoin d'huile, on a besoin de moulin poivre noir, on a besoin de petit point coriandre ou bien persil si vous voulez. Soit un coriandre qu'on utilise persil. Là nous gagnons environ 1 cuillère à soupe beurre, mais comme beurre de longtemps là, presque fond. Bon, là presque un beurre fondu. On a besoin d'un cuillère d'oignon en poudre, d'un cuillère d'ail en poudre, d'un demi-petit cuillère bicarbonate,
Yon ti pointe piment cayenne pour balon ti peps ou balon ti piqué de bouti. Yon ti pointe sel, a besoin garlic chopera pour ka émincer feuilles coriandre noir. Voilà, c'est tout ça ou n'a besoin pour nous faire marinade lambia. Préparer l'ambia, ok, l'ambia qui cuit déjà, bien sûr, les balles de préparation, hein? Nous allons émincer l'ambio, ok, chaque un petit morceau que nous allons utiliser pour marinade, ok. Alors l'ambia ça hein, fait presque 2 heures de temps. Parce que je vais prendre 4 minutes, mais si je vais prendre 4 minutes, je vais prendre tout le temps ça. Non, sous du feu, à cuire. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ambia très tendre. Ok? Vraiment. Ouais, moi j'ai mis facile pour découper, c'est parce que je cuit en pile. Vraiment pour que les nappes mangent marinade là. On prend un bon boulot bien là-dedans. Ok. Bon, on finit avec Patissa. Maintenant, allons nous occuper de notre pâte. D'abord, on va ajouter l'autre élément par sèche la dedans. Là, nous gagnons un petit puits. Nous gagnons un bicarbonate là. Avec oignon, l'ail. Alors, ça, on va toujours ajouter notre épice là dedans. Parce que, comme j'aime toujours dire, non, et puis ça, c'est une question de goût, on voit le résultat recherché ou bien de l'épice ou bien disponible. Nous ne voulons pas mettre le goût. Mais pour me signer, les oignons avec l'ail pour la majorité à la, à aider à relever le goût. Ok? Mettez les piments avec celle-là. Ok, la mienne, un petit point de piment cayenne, un petit point de quillet. Et puis, avec celle. Ajoutez l'eau. Ajoutez le beurre. Ok. Maintenant, allons nous occuper de notre coriandre. Ok, la première, c'est la deuxième fois. Déjà. Ok. Vous mettez le coriandre noir dans la farine noire. Poivre
Maintenant, mes secrets pour que marinade noire vraiment bien goût dans bia. Pour que c'est pas juste le manger un petit morceau, le rencontre un petit morceau dans bia. En de marinade là, pour qu'on mange une marinade dans bia. Mais pour que tout ça avec dans bia, justement, c'est jus qui était cuit dans bia. Ok? On va l'utiliser là, ok, pour faire marinade. Okay? Donc, ce qui était cuit dans bia là, c'est lui qui récupéré là. Okay? Donc, il y a là-dedans tout ça avec dans bia. Tout ça qui est trempé, etc. avec différentes épices, mais bien sûr sans sel. Ça à fond de l'autre bagage. Maintenant, nous allons mélanger. Certainement, quand tu te dis qu'il y a une gueule, par contre, on va ajouter un petit de l'eau sur lui. Mais la fin de bois, c'est l'avant. Pour nous, qui texture, qui salbaille, pour nous connaître qui quantité de l'eau, on ajoute. Ok. Normalement, on a de mettre les oreilles dessus là-dedans. Mais malheureusement, on va mettre les oreilles dessus. Donc, on se passera de l'orange amer. Nous prenons demi-tasse de l'eau. On met moitié dans demi-tasse de l'eau là. Maintenant, si on met des plus, on a ajouté plus tout à l'heure. Certainement, on n'a qu'à ajouter demi-tasse de l'eau et peut-être même plus. Parce que liquide pâte pour marinade là, c'est pas une pâte qui poisse lié. Faut liquide liquide. Maintenant, avant d'ajouter le reste de l'eau, ça fait, on va ajouter l'ambino. Okay. Et ajouter le reste de l'eau noire, puis on continue à mélanger. Comme si nous voulons le sentir bon, sentant bien la montée dans l'aime là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que vous mettez de l'eau dans la bouche déjà. Okay. C'est consistant ça. Bon, maintenant on goûte pour nous, ça le va. Ouais, c'est bon, j'en goûte en bia. Des bons petits piqués, des besoins. Bon bagaille. Ok, maintenant, ça ne pas fait là. On va le recouvrir. Ok, maintenant là. Avec une serviette ou bien souffler en liquide, en film alimentaire. Ok? Et puis, on va reposer là pendant entre 15 à 30 minutes. Ok? On va bien démettre le bicarbonate là-dedans. Ok? Pour le bicarbonate là, il est temps de faire l'effet là-dedans. Ok? On va quitter le reposer là
on dit 20 minutes. Ok? Un petit nettoyage et puis la tout net à l'heure. Sous 20 minutes depuis la proposer là, maintenant nous mettons chaudière chaud, la mettez l'huile d'aronia. On peut tester à quel niveau l'huile la chaud. Maintenant, il fait chouette, c'est que l'huile a beaucoup chaud assez. La petite aile, chaud toujours. La fonte est ce qu'on a bon, ouais, à quel niveau l'huile a chaud. Bon, on tire de la donne. Ah, il est chaud. Ok, et bien, on va préparer pour mettre la marinade là, la donne tout de suite. Exercice ça. Comment on fait? C'est pour une cuillère. Okay, et puis on cuit comme ça et puis ensuite on va laguer dans l'huile chaude. Alors on va utiliser une deuxième cuillère pour bien laguer. Tout de suite, on a baissé du feu noir pour le faire sauter. Vérifier comment on est là, c'est pour une vidéo. On est là à suivre pour que il n'y a pas boulé dans le. Sans des météo, guettant paré pour étirer. Ouais. On va regarder là. Même yo fin cuite. Ok. On va déposer une assiette qui gagne un papier absorbant solide. Ça au bon dos. On va tirer tout ça crasé, Qu'est-ce que vous m'achetez crasé? Crasé fritaille, crasé marinade. Donc, crasé fritaille là, c'est tout bagaille qui est dans le bac là, dans le plateau fritaille là. Qui crase, une barinade, viande, etc. Ah, ils ont fait ça deux fois déjà. Je vais oublier deux fois ça.
C'est un bail extraordinaire. On a écrasé alors une belle bout de viande que je vais pas où tu t'as pas acheté. Pour yon 2-3 gouttes. Parce que Mosso vient à l'époque, enfin l'époque m'a pas l'air, c'est 50 centimes de grand. On va pas les bails. Fin 80, début 90. Hein? On va partir, on deuxième tournée. Et puis là pour les baisser différemment encore. Et puis là. Bon, je suppose que vous avez compris le principe. Ok. Là, on a retiré sac bon là. C'est très simple. Ok? À tout à l'heure. Magnifique nouvelle vidéo. Supreme. Invitez-nous avec marinade avec l'ambisa. Là, on finit de marinade et peut-être qui ça met là-dedans. Et puis, on a dévoilé les secrets. On a voulu regarder les recettes là sous chaîne Gaspard Douillet. C'est un bagage qui est très bon. Bon, pas mal de vos côtés de goûteuse à passer. Prochaine fois, on a mal de bonnes idées. Il y a qui ça a fait, mais qui ça a gardé. Je vais aller voir une goûter. En tout cas, de toute façon, c'est pour moi qui est sucré là. Je vais battre un bois me danser. Pour vous, hein. Tu mets quoi dedans? Son goût de pas bien dit. C'est très bon. Allez, c'est elle. La bonne nouvelle. Ok? Maintenant, notre ami qui veut l'ouvrir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon retour ou bienvenue sur cette chaîne.
Je dis à, on va faire une petite recette de gourmet, non? Ok? Qui monsieur a fait un pile monde plaisir parce que un pile monde sous chaîne ça remet l'envie. Ok? Donc on va faire une marinade avec l'envie. J'ai fait une marinade déjà, depuis l'année passée, dans un mois d'août, ok? Juillet ou bien août, l'année passée, donc là on va faire une marinade avec l'envie. Ok? C'est chef Solano, qui était ancien chef hôtel Montjoli tout l'année 2019 là, et qu'on y a là, qui Santiago, mon restaurant Santiago dans Saint-Domingue, c'est lui qui a inspiré recette ça à chef Solano. Ok? Donc je dis à nous faire une marinade avec l'ami. Alors par contre, comment les chef Solano te fait? Moi je vais le faire à ma manière. Donc chef Solano, on va dire si petit là semble avec papa. Ok? Avant, nous allons regarder ensemble les ingrédients avec matériel qu'on a besoin pour nous faire marinade là. En nous saluer toutes membres chaîne. Ok? Membre chaîne, c'est des gens qui ont supporté chaîne avec financièrement. Ok? Nous avons différents plans de support sur chaîne. Nous avons diamant, nous avons saphir, nous avons or, nous avons argent, nous avons super fan. Et bien, nous avons là. Yo te choisi youn dans plan ça. On a remercié tout le monde qui renouvelé et plan yo. Enfin, recette là. OK, on a remercié tout le monde ou même si ça est tantôt mais sous intéressé supporter chaîne là, pour faire ça, on cliquer sur bouton join qui en bas vidéo ça ou bien n'importe vidéo qui en bas qui dans chaîne là. OK? Mais si on a ici, on pas pour option ça puisque programme join là, programme membership là. Beaucoup disponible en Haïti. Ok, bon, on a fait ça par mon cash. Ok, si c'est en Haïti, oui. On a voyé ce support là par mon cash dans 36 72 25 58. Ok, mais soit à l'étranger tout ou bien pour deux ans que l'autre ou pas, vous voulez entrer dans le programme ça à travers YouTube, ou qu'à faire envoyer donation directement par PayPal dans gaspardorelien@gmail.com. Ok, mais tout de suite, ensemble, ingrédients on a besoin pour faire marinade de bien. Mise en place la besoin pour nous faire marinade lambia. Nous pas faire un pile fois ça, on a utilisé seulement une tasse et demi farine, farine France, farine blanc. Là nous gagnons lambi qui tout préparé. Monde qui gagne un problème à lambi yo, qui pour comprendre comment on can nettoyer lambi, tremper les picutes comme ça. Nous gagne n'importe trois recettes sous chaîne ça qui montrait ça et puis une recette spécialement qui montrait comment nettoyer l'ambi et puis tremper l'ambi à comprendre avec Zoan 6 citron Zoan 6 et puis comment pour mettre cuite tout d'abord sans sel. Ok, allez sous chaîne ça rejoigne recette. On a besoin d'huile, on a besoin de moulin poivre noir, on a besoin de petit point coriandre ou bien persil si vous voulez. Soit un coriandre, on va utiliser persil. Là, nous avons environ 1 cuillère à soupe, beurre. Mais comme beurre a dehors longtemps là, presque fond. Bon, là, presque un beurre fondu. On a besoin d'un cuillère d'oignon en poudre. Un cuillère d'ail en poudre. Un demi-petit cuillère bicarbonate. Un petit pointe piment cayenne pour balancer peps, pour balancer. Piquer le petit, un petit point de sel, on a besoin de garlic chopper pour qu'on a émincé feuilles coriandre noir. Voilà, c'est tout ça qu'on a besoin pour nous faire marinade lambia.
Bon, alors, pour les bagages, nous allons faire, nous allons préparer l'ambia. Ok, l'ambia qui cuit déjà, bien sûr, les pas de préparation. Hein? Nous allons émincer l'ambio. Ok, chaque un petit morceau, que nous allons utiliser pour marinade. Ok. Alors, l'ambia, ça, il fait presque. Presque 2 heures de temps, parce que je vais prendre 4 minutes, mais si je vais prendre 4 minutes, je vais prendre tout le temps ça, non, sous du feu à cuire. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ambia très tendre. Ok? Vraiment. Ouais, moi j'ai mis facile de découper, c'est parce que je cuit en pile. Vraiment pour que les nappes mangent marinade là. On prend un bon goût d'ambia là-dedans. Ok. Bon, on finit avec partie ça. Maintenant, allons nous occuper de notre pâte. D'abord, on va ajouter l'autre élément par sèche la laine. Là, nous gagnons un petit puits. Nous gagnons un bicarbonate avec les oignons, l'ail. Alors, ça, on peut toujours ajouter notre épice là-dedans. Que, comme j'aime toujours dire non, et puis ça c'est une question de goût, on voit le résultat recherché ou bien de puis ou bien disponible. Nous ne voulons pas mettre le loup. Mais pour me signaler, zonion avec l'ail pour la majorité à la, a aidé à relever le goût. Ok, on va mettre des piments avec celle-là. Ok, là il y a un petit point de piment cayenne, un petit point qui est, et puis avec celle, on ajoute l'eau, on ajoute le beurre, ok, maintenant, allons nous occuper de notre coriandre, ok, la première c'est la deuxième fois. On t'a dit déjà. Ok. Vous mettez le coriandre noir dans la farine noire. Maintenant, mes secrets pour que la marinade noire vraiment bien goût l'ambia. Pour que ce n'est pas juste le manger un petit morceau, le rencontrer un petit morceau d'ambia dans la marinade là, pour qu'on mange une marinade d'ambia. Mais pour que tout ça avec l'ambia, justement. C'est jus qui était cuit l'ambia. Ok, nous allons utiliser là, ok, pour faire marinade. Okay? Donc sauce qui était cuit l'ambia là, c'est nous la récupérer là. Ok, donc il y a la dedans tout ça avec l'ambia. Un peu ça qui était trempé, etc. avec
différentes épices, mais bien sûr sans sel. Ça à fond de l'autre bagage. Maintenant, nous allons mélanger. Certainement, quand tu te dis qu'il y a un gain là, par contre, on va ajouter un petit de l'eau solide. Mais la fin de bois, c'est l'avant. Pour nous voir qui texture, qui s'albaille, pour nous connaître qui quantité de l'eau qu'on a ajouté. Ok. Normalement, on a de mettre les oreilles sur là-dedans. Mais malheureusement, on va mettre les oreilles sur. Donc, on se passera de l'orange amer. Nous prenons demi-tasse de l'eau. On met moitié dans demi-tasse d'eau là. Maintenant, si on demande plus, on a ajouté plus tout à l'heure. Certainement, on n'a qu'à ajouter le reste. Demi-tasse d'eau et peut-être même plus. Liquide pâte pour marinade là, c'est pas un pâte qui poisse lié, faut liquide liquide. Maintenant, avant d'ajouter le reste de l'eau, ça fait, on va ajouter l'ambigu. Okay. Ok, ajouter le reste de l'eau noire. Puis, on continue à mélanger. Bon, sentant bien la montée dans l'aime là. Tu vois, qu'il faut mettre de l'eau dans le bouchon déjà. Ok, bon, c'est consistant ça. Bon, maintenant, voilà, ok, plonge en goulant bia, des bon petit piqué à des besoins, bon bagaille. Ok, maintenant, ça n'est pas fait là, on va le recouvrir. Ok, maintenant là. Avec une serviette ou bien soulever en liquide en film alimentaire. Ok, et puis on va quitter l'eau posée là pendant là on dit 20 minutes. Ok, un petit nettoyage et puis la plus nette à l'heure. Sous 20 minutes depuis la proposée là, maintenant nous mettons une chaudière chaud, la mettez l'huile d'aronia.
on conteste moi dans qui niveau l'huile la chaud. Ah, et d'être maintenant il fait chouet 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 chouet, c'est que l'huile a beaucoup chaud assez. La petite elle chaud toujours. La fontaine qu'on a vu dans qui niveau l'huile la chaud, bon petit bleu la donne. Ah, il est chaud. Ok, et bien finalement, on va préparer pour mettre la marinade là, la donne tout de suite. Exercice ça, comment on fait? C'est pour une cuillère, ok, et puis pour une cuillère comme ça, et puis ensuite, on va laguer dans l'huile chaude. Alors, on va utiliser une deuxième cuillère pour bien laguer. Vérifier comment on est là, c'est pour une vidéo. On est là à suivre que il n'a pas boulé dans l'air. Mais ça ne mette yo, getan paré pour étirer. Ouais. Je me regarde là. Même yo fin cuit. Ok. On va déposer yo dans assiette qui gagne un papier absorbant sous lui. Ça au bon dos. On peut tirer tout ça crasé, crasé. C'est ça que vous achetez crasé, crasé fritaille, crasé marinade. Donc, crasé fritaille là, c'est tout bagaille qui est dans le bac là, dans le plateau fritaille là. Qui crase, une barinade, viande, etc. Ah, ils ont fait ça deux fois déjà. J'ai oublié deux fois ça. C'est vraiment extraordinaire. On a crasé alors j'ai de belles bouts de viande que je vais pas où tu t'as acheté pour deux trois gouttes parce que mon sou vient à l'époque, enfin l'époque m'a pas là, c'est 50 centimes de grande. On va faire des bails fin 80, début 90. C'est hein? Parti, mon deuxième tournée. Dernière,
Et puis, on a pour rebaisser le filon encore. Et puis, on attend. Bon, je suppose que vous avez compris le principe. Ok. Là, on a pour tirer le sac bon là. C'est très simple. Ok? À tout à l'heure. C'est yon bon bagay. Mais quand on a mélangé l'ambi, on va se dire qui bon li gagne. C'est très bon. Parce que l'ambi, déjà, de toute façon, c'est un fruit de mer qui est très bon. En tout cas, le bon en bouche. Donc, l'en mélange là avec marinade, et qu'on dit les soumets merveilleux. Pour moi, qui est communion pour les années là, pour moi, qui est fait, nous allons faire, surprendre, inviter nous avec marinade, avec l'ambi. Le fin de goûter marinade, vous avez qui ça met là-dedans. Et puis, on a dévoilé les secrets. On a voulu regarder la recette là, sous chaîne Gaspard Douillet. C'est un bagage qui est très bon. Bon, pas mal de vos côtés bouteux à passer. Prochaine fois, on a un modèle de l'île. Qui s'en a fait, mais qui s'en a gardé. Qui fait le bagage de goûter. En tout cas, de toute façon, c'est pour moi qui est sucré là. Je vais battre un bois me danser. De toute façon, vous êtes là. Pour vous, hein. Vous mettez les dents, ils sont bouts de l'ambi. C'est très bon. Allez, c'est elle, la bonne nouvelle. Ok? Maintenant, notre ami qui renouvre les membership. Alors là, c'est le dernier monde qui renouvre les membership. Après nous, vite même jeune là. Ok? Pour nous courir ça qu'après là. À bientôt! Parce que un pile monde sous chaîne ça remet l'envie.
Ok, nous allons faire une marinade avec l'ami. Nous avons fait une marinade déjà, l'année passée, dans un mois d'août, okay? Juillet ou bien août, l'année passée. Nous allons faire une marinade avec l'ami. Ok, c'est chef Solano, qui était ancien chef hôtel Montjoli, toute année 2019. Là. Et qu'on y a là, qui est Santiago, mon restaurant Santiago, dans Saint-Domingue. C'est lui qui est inspiré, recette ça. Donc, nous dédier recette ça à chef Solano. Ok? Donc, je dis à nous, on va faire une marinade avec l'ami. Alors, par contre, comment les chefs Solano défait? Moi, je vais le faire à ma manière. Donc, chef Solano, on va dire si petit plat semble avec papa. Ok? Avant, nous allons regarder ensemble les ingrédients avec matériel qu'on a besoin pour nous faire. Marinade là, en nous saluer toutes membres chaîne. Ok? Membre chaîne là, c'est des gens qui supportent chaîne là avec financièrement. Ok? Nous gagnons différents plans de support sur chaîne là. Nous gagnons diamants, nous gagnons saphir, nous gagnons or, nous gagnons argent, nous gagnons super fan. Et bien, nous avons là, ils ont choisi une dans le plan ça. Nous remercions tout le monde qui renouvelé et plan yo. Nous avons salué Guy Bondé, ok? Nous avons salué une fête renouvelée, nous avons oublié nous. Je dis la fin de la recette là. Ok? Nous avons remercié tout le monde. Ou même si ça est tantôt, si vous intéressez à supporter la chaîne là, vous pouvez faire ça. Cliquez sur le bouton Join qui est en bas, vidéo ça, ou bien n'importe vidéo qui est en bas, qui est dans la chaîne là. Ok? Mais si on a ici, on ne peut pas pouvoir option ça puisque le programme. Join là, programme membership là, pour qu'on soit disponible en Haïti. Ok, bon, on a fait ça par mon cash. Ok, si c'est en Haïti, vous pouvez envoyer ce support là par mon cash dans 36 72 25 58. Ok, mais soit à l'étranger tout, ou bien pour deux ans, peut-être ou pas, vous voulez entrer dans le programme ça à travers YouTube, ou qu'à faire, envoyer donation directement dans nous, par PayPal, dans Gaspard Dorélien, @gmail.com. Ok? Mais tout de suite, ensemble, ingrédients on a besoin pour faire marinade d'un bien. En place ça besoin pour nous faire marinade lambia. Nous pas faire en pile fois ça, n'a utilisé seulement une tasse et demi farine, farine France, farine blanc. Là nous gagnons lambi qui tout préparé, qui cuit déjà. Bon alors, monde qui gagne un petit problème à lambi yo, qui pour qu'on comment on can nettoyer lambi, tremper les picutes comme ça, nous gagne n'importe trois recettes. Sous chaîne ça qui montrait ça et puis une recette spécialement qui montrait comment nettoyer l'ambi et puis tremper l'ambi à comprendre avec Zoan 6 citronon Zoan 6 et puis comment pour mettre le cuite tout d'abord sans sel. Ok, allez sous chaîne ça rejoindre recette. On a besoin d'huile, on a besoin de moulin poivre noir, on a besoin de petit point coriandre ou bien persil si vous voulez. Soit un coin, on va utiliser persil. Là, nous avons environ 1 cuillère à soupe, beurre. Mais comme beurre a dehors longtemps là, presque fond. Bon, là, presque un beurre fondu. On a besoin d'un cuillère d'oignon en poudre. Un cuillère d'ail en poudre. Un demi-petit cuillère bicarbonate. Un petit point de piment cayenne pour balancer un peps. Piquer le petit, un petit point de sel, un besoin de garlic chopper, un besoin pour nous faire marinade lambia.
première que nous allons faire, nous allons préparer l'ambia. Ok, l'ambia qui cuit déjà, bien sûr. Les balles de préparation, hein? Nous allons émincer l'ambio. Ok, chaque un petit morceau, que nous allons utiliser pour marinade. Ok. Alors l'ambia ça, il fait presque. Presque 2 heures de temps, parce que je vais gagner 4 minutes, mais si je gagne 4 minutes, je vais prendre tout le temps ça, non, sous du feu à cuire. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ambia très tendre. Ok? Vraiment. Ouais, moi j'en ai facile de découper, c'est parce que je cuit en pile. Vraiment pour que les nappes mangent marinade là. On prend un bon goût d'ambia là-dedans. Ok. Bon, on finit avec partie ça. Maintenant, allons nous occuper de notre pâte. D'abord, on a ajouté l'autre élément par sèche la dedans. Là, nous gagnons un petit puits. Nous gagnons bicarbonate avec oignon, l'ail. Alors, ça, on peut toujours ajouter notre épice là-dedans. Que, comme j'aime toujours dire non, et puis ça, c'est une question de goût, on voit le résultat recherché ou bien de puis ou bien disponible. Nous ne voulons pas mettre le loup. Mais comme si nous voulons, nous avec l'ail pour la majorité à la, à aider à relever le goût. Ok? Mettez, ah oui, les piments avec celle-là. Ok, là il y a un petit point de piment cayenne, un petit point de quillet. Et puis, avec celle. Ajoutez l'eau. Ajoutez le beurre. Ok. Maintenant, allons nous occuper de notre coriandre. Ok, la première c'est la deuxième fois. On t'a dit déjà. Ok. Vous mettez le coriandre noir dans la farine noire. Voilà. Maintenant, mes secrets pour que la marinade noire vraiment bien goût l'ambia. Pour que ce n'est pas juste le manger un petit morceau, le rencontrer un petit morceau d'ambia dans la marinade là, pour qu'on mange une marinade d'ambia. Mais pour que tout ça avec l'ambia, justement. C'est jus qui était cuit l'ambia. Ok? Nous allons l'utiliser là. Ok? Pour faire marinade. Okay? Donc, tout ce qui était cuit l'ambia là, c'est nous récupérer là. Ok? Donc, il y a là-dedans toute sa saveur l'ambia. L'ambia qui était trempé, etc. avec différents.
faire une épice, mais bien sûr sans sel. Ça à fond de l'autre bagage. Maintenant, nous allons mélanger. C'est tellement quantité liquide à n'y là par contre. On va ajouter un petit de l'eau sous lit. Mais la fin de bois c'est l'avant. Pour nous voir qui texture, qui salbaille. Pour nous connaître qui quantité de l'eau on a ajouté. Ok. Normalement, on a de mettre les oreilles sur là-dedans. Mais malheureusement, on n'a pas les oreilles sur. Donc, on se passera de l'orange amer. Nous prenons demi-tasse de l'eau. On met moitié dans demi-tasse d'eau là. Maintenant, si on demande plus, on a ajouté plus tout à l'heure. Certainement, on n'a pas ajouté demi-tasse d'eau et peut-être même plus. Liquide pâte pour marinade là c'est pas un pâte qui poisse lié faut liquide maintenant avant d'ajouter le reste de l'eau ça fait on va ajouter l'ambigu okay. Ok, ajouter le reste de l'eau noire. Puis, on continue à mélanger. Comme si nous voulons le sentir bon, sentant bien la montée dans l'aime là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que vous mettez de l'eau dans la bouche déjà. Ok, bon, c'est consistant ça. Bon, maintenant on goûte pour nous, ça le bail. Ouais, c'est bon, j'en goûte l'ambia. Il y a un petit piqué, il y a besoin. Bon bagay. Ok, maintenant, ça ne pas fait là. On va le recouvrir. Ok, maintenant là. Avec une serviette ou bien souffler en liquide en film alimentaire. Ok, et puis on va quitter reposer là pendant entre 15 à 30 minutes. Ok, on va bien démettre bicarbonate là dedans. Ok, pour bicarbonate là, il est temps de faire effet là dedans. Ok, on va quitter reposer là en 10-20 minutes. Ok. Un petit nettoyage et puis la plus nette à l'heure. Sous 20 minutes depuis la proposée là, maintenant nous mettons un chaudière chaud
La pété l'huile lagonia. On prend test pour maintenant qui niveau l'huile la chaud. Maintenant il fait chouet, c'est que l'huile a beaucoup chaud assez. La petite elle, chaud toujours. La fonte est-ce qu'on a bon ouais, à quel niveau l'huile la chaud. Bon type de la donne. Ah, il est chaud. Ok, et bien on va préparer pour mettre la marinade là, la donne tout de suite. Exercice ça, comment on fait? C'est pour une cuillère. Et puis on cuit comme ça et puis ensuite on va laguer dans l'huile chaude. Alors on va utiliser une deuxième cuillère pour bien laguer. Ensuite, on a baissé du feu noir pour le bas sauter. Vérifier comment on est là.